Ma mère, elle soupçonnait pas du tout ce qui m'arrivait au collège. Qu'est-ce que t'as sur la figure, toi? Y a eu de la baston ou quoi? Elle me posait pas de questions, elle était pas très attentive. Mais t'as encore le squelette, c'est pas bon? J'ai pas très bien le fond. Qu'est-ce que vous faites là, Bijou? J'ai raté le bus, madame. Vous n'allez pas rester là à traîner comme ça. Tu veux essayer, Marvin? Essayer quoi? D'improviser. T'appelles ça un nom, toi? Une vraie gonzesse, vous avez fait de lui, sérieux? Tu prendrais la journée, t'es même pas foutu d'aller chercher Marvin! Le moins vivant cramera pas une goutte d'essence pour ces conneries de théâtre. Pourquoi il nous fout la honte comme ça aussi avec sa manière de péder? Peu importe les milieux sociaux, peu importe l'âge, il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement qui subissent le harcèlement. Ça montre qu'on peut s'en sortir, que grâce au théâtre, Marvin va réussir à se sortir de là. Et je trouvais que c'était un bon exemple et ça pouvait faire réfléchir les gens. Je trouve que dans le personnage de Marvin, il y a quand même énormément de choses hyper intéressantes à raconter. La façon dont il se cache un peu en permanence, la façon dont il joue aussi un petit peu en permanence. Quand il passe d'un milieu social à un autre, parce que voilà, il vient d'un milieu très populaire, populaire, assez même un peu prolétaire. Le théâtre. Théâtre. Parce que j'adore le théâtre et du coup le personnage qui découvre le théâtre. Ouais, il faisait pas mal d'impro. Même dès le début, ses premiers castings, Anne Fontaine lui demandait de faire de l'impro et tout, comme au final fait Marvin dans le film. Femme austère, il est temps d'essuyer vos larmes, rentrer dans la vie. Elle est belle la vie pour ceux qui savent aimer. Ah ouais, oui. Du moins, je le suppose. Il est bon de dire un homme, quel que soit son âge. Tiens, voilà mon cœur, donne-moi le tien, et partons pour Asnières. Je crie beaucoup. Ça, il n'y avait pas de... C'était pas écrit, tu dis d'abord cette insulte, puis l'autre, voilà. Ça, c'était... J'ai balancé des insultes comme ça. Par contre, après, ça m'a coupé la voix pendant 3 jours, donc c'était embêtant, mais... Ah, c'était après ça? Oui, c'était okay. À cause de ça que après, j'ai perdu la voix pendant... Du coup, on a dû refaire en post-prod tout... plusieurs scènes. Et c'était beaucoup moins violent que ça peut en avoir l'air, parce que déjà je m'entendais très bien avec les deux acteurs qui jouent mes bourreaux, et surtout c'était très chorégraphié avec Anne à l'avance, la veille, tout ça. On s'entraînait, elle nous faisait en fait, geste par geste, du coup ce qui fait que sur le tournage c'était un peu comme une danse. Ouais, donc ouais, on a passé quand même pas mal de temps ensemble, on avait aussi une petite transformation physique. Et tu venais aussi, il venait sur le tournage, parce que j'ai principalement tourné avant. Moi, il y a même des moments dans l'histoire où je devais jouer le rôle d'un peu de mes parents. Donc Marvin joue le rôle de ses parents, donc il fallait que j'observe bien tout ça. Donc il fallait que je vois un peu ce que Marvin petit avait vécu. Donc c'était aussi intéressant, on m'avait passé même des rushs, c'est-à-dire des scènes qui avaient été filmées. J'ai observé des chats. En vrai, déjà Anne Fontaine, elle m'a dit ouais, tiens-toi droit, etc. Mais je pense que c'est des éléments qui sont aussi dans le film, dans le scénario. Et par exemple, on le traite, on lui dit ouais, tiens, tu marches tout droit, tu marches comme une tarlouse. Et je pense que c'est un truc qui. Il fallait aussi quand même que Marvin ait une façon un peu particulière de marcher, qu'elle évolue et qu'ensuite, vu qu'il va transformer son passif en une sorte de grâce entre guillemets et en une pièce, je trouvais ça marrant de le transformer en quelque chose d'un peu élégant où en fait quand il assume ce côté là il en joue un petit peu, enfin voilà, il y avait une petite composition à faire, mais fallait pas que ça se voit, enfin c'était le but, c'était pas de faire de la démonstration, mais c'est vrai que ça servait l'histoire du personnage aussi, quoi. D'où ça vient, ça? D'où tu en sors? J'ai cogné moi? Ouais, j'étais cogné moi. C'est nos vies que tu traînes dans la merde. T'es en train de nous tuer tous. C'est pas plutôt l'inverse? C'est pas plutôt vous qui avez essayé de me tuer, moi? Ouais, tout à fait. Bah, finalement, le film s'appelle Marvin et la belle éducation. Parce que clairement on parle d'éducation dans le film. Sa première éducation initiale, comment finalement il va aussi un peu éduquer ses parents d'une certaine manière. Le film est pas revanchard, quoi. C'est pas l'histoire d'un mec qui va faire en foutre plein la tronche à ses parents parce qu'il a pris cher dans sa jeunesse. Du coup, j'ai appris que je devais jouer une scène de théâtre avec Isabelle Huppert et je flippais, ouais. J'ai appris 2 semaines avant parce qu'Anne Fontaine change souvent son scénario. Même pendant le tournage, elle change des trucs, c'est hyper bien d'ailleurs, c'est hyper intéressant. C'est pas un truc figé qui a été écrit 5 ans à l'avance et qu'on va faire et que ça sera comme ça et pas autrement. Elle change même les répliques, etc. Donc du coup, j'ai su 2 semaines avant que je devais faire une pièce de théâtre avec Isabelle Huppert et là, ouais, j'ai flippé. C'était vraiment comme une expérience à part, pas du tout dans un but professionnel, mais comme c'était vraiment super, bah, si j'ai d'autres opportunités, avec plaisir, et sinon bah, ça aurait été une belle expérience. Cherche du boulot, quoi. Si jamais vous avez un projet, n'hésitez pas, il est super.
Et toi, du coup, tes projets? Et moi, mes projets, j'ai juste fini un long métrage avec un dessinateur de BD qui s'appelle Mathieu Sapin. C'est son premier long. Ça s'appelle Le Poulain. C'est une comédie. Ça sortira dans un an, je pense. Moi aussi, je cherche du boulot si jamais vous avez un petit plan, quoi.